Je suis sur le GR10. Aujourd'hui, grand ciel bleu. Profitez un maximum. Ici, c'est le lac de Loul. Magnifique lac qui est en réparation. L'eau est très basse pour faciliter les réparations. Il n'y a rien à voir avec une certaine sécheresse. Le lac inférieur, juste avant bassin. Là, il semblerait que ce serait le lac Bessin, parce qu'il n'y a aucune indication. Mais d'après ma carte, ça a l'air d'être ça. C'est pas évident de s'y retrouver par ici, parce qu'il y a plein de chemins. Aucune indication, donc... Mais là, c'est joli. Bon, je ne comprends pas, on s'arrête. Le lac de Bassan. Un pêcheur. Des belles fleurs. Et là, c'est toute la montée qu'il y a à faire. Ce matin, là, je vais m'arrêter et faire mon café parce que je ne peux plus le faire en bas à cause des moustiques. Ici.
chien peut-être. Être agressif comme en bas. Au laquais. Rocher là-bas, je m'arrête là. Et mon sac qui couine toujours. Mon sac est vivant, il me parle. Parce que je suis obligée de mettre un chapeau de soleil. Le soleil, j'ai pris des coups de des couchers de soleil sur les joues hier. Je me suis pas méfiée et voilà. Donc aujourd'hui, chapeau. Et donc le chapeau me coupe un peu la visibilité en face, en montagne. C'est un peu embêtant parce que il y a beaucoup de verre. Donc tiens, celui-là il me plaît. Je ne vais pas m'asseoir à l'ombre. Ah, ce sont les laquais. En bout, le lac, c'est le lac de l'Aume. Ici, la pointe, je ne m'en rappelle plus. Je crois que c'est peut-être la pointe de Bastan. Et ici, c'est le lac de Bastan au port de Ciel. Et le sentier continue. Et je vais à l'Ourquette qui est là-bas. Les gens qu'on voit, c'est des personnes avec qui j'ai bivouaqué et dormi à l'Aume. J'étais là-bas, depuis le tour jusqu'au lac Bessin, récemment. Je me suis trompée de chemin, j'aimerais rallonger un peu. Là, j'arrive dans quelques minutes au col de Nerf. Voilà, le col de Nerf, ça doit être une ancienne frontière de je ne sais pas quoi. La Ourquette. Donc après. Arrêter un petit peu plus bas. On va avoir une belle vue sur la vallée. Oups. C'est pas bien. Ça fait bien, il y a de l'air là. Ouh. Je pense que la pluie c'est là-bas. Ça manque maintenant. Il y a quelques dizaines de mètres. Un petit musée. Mais
jusqu'à l'entrée de la pierre. Un évier un petit peu plus grand. Une bonne trace. Un petit peu bien pour moi. Très sauvage et minéral. La suite du ballon en descendant. Il y a quelques moutons sur le côté droit. On va voir dans quelques minutes. Il y en a un autre troupeau un peu plus gros qui ne sont plus nombreux. Il doit être le même troupeau. Là, ils sont plus aventuriers. On a des torrents. On ne peut pas bien les voir, mais c'est les moutons. Non, on les entend. Bonjour. Voilà, un joli lac Belle-Écluse avec son petit refuge de berger et la nouvelle construction qui est en route et derrière. Le lac est toujours aussi joli. Avant que les meutes arrivent. J'ai des champignons, des petits cas de vache.
Sur un bel étang sous aigle de pluie. Magnifique. J'étais tout là-haut, tout en haut. Ça fait un bon petit bout à descendre. Et l'eau, elle disparaît sous les rochers. C'est le nom de Aigle-Cruche. Aigle-Cruche, qui signifie les eaux fermées, les eaux qui disparaissent sous les rochers.